Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Oh My Golf. Je suis ici en direct du Golf Costa Brava, réseau Golfi, les amis, toujours en Espagne. Donc merci à eux de m'accueillir sur leur terre pour la 100e vidéo d'Oh My Golf. Alors j'ai envie de vous faire plaisir, et pas seulement moi. J'ai demandé à Pierre de pitch-up s'il n'avait pas envie d'offrir un petit pitch-up pour la 100e vidéo. Il m'a dit, tu sais quoi, on va offrir un pitch-up par mois à tes abonnés, vu comment tu en fais la promotion. Eh bien les amis, j'en suis ravi. Donc dans cette vidéo, si vous écrivez sous la vidéo « Je veux un pitch-up et une casquette Oh My Golf », ben, y a un gagnant qui sera tiré au sort dans les 48 heures, donc dans la prochaine vidéo, en fait, tout simplement. Et ce gagnant se verra envoyer directement à la maison un pitch-up à fixer au bout de son club afin de réparer tous les pitchs de son club et partout où il va. Et la casquette Oh My Golf pour se promener sur les cours durant l'été avec une casquette aux couleurs de la chaîne, parce que oui, vous êtes 715 à suivre la chaîne. C'est la 100e vidéo, les amis. J'avais envie de vous dire merci. Je vous répète que donc vous écrivez sous cette vidéo « Je veux le pitch-up et la casquette Oh My Golf !» Plein de cœurs smiley. Vous mettez un pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez. C'est parti pour la 100e Golf Costa Brava, réseau Golfi, ici en Espagne. 1, 2, 3, Oh My Golf! mètres, j'ai sorti mon fer 8 parce que c'est en descente, il y a un gros arbre et derrière c'est la cata. C'est évidemment un par 3, c'est presque le bunker qui pourrait nous calmer. Maintenant on est là pour essayer de vous faire rêver. C'est la 100e vidéo, non, dit Chou. Il faut vraiment essayer de... Allez, t'es belle. Allez, t'es belle. Ouais, t'es là. Mais oui, t'es là. Sur le green, les amis. Tee fracassé, souvent. Souvent, la preuve de quelque chose de bien. Allez! Évidemment, toucher un green en régule, c'est ce qui va nous permettre d'aller attaquer des parts et des birdies. Donc c'est vraiment ces coups-là dans lesquels il faut être fier de soi, quoi. Fier d'avoir ça. Je vous mets en même temps la petite vue que vous voyez là derrière. C'est évidemment, je pense, le début des Pyrénées. Très très beau golf, le Costa Brava. Des magnifiques... maison pour entourer le club, vraiment une urbanisation, comme ils disent ici, urbanisation del Golf Costa Brava. Donc l'urbanisation du Golf Costa Brava, c'est vraiment un quartier dans lequel pas mal de villas piscines viennent se mettre autour du golf, et ça donne un endroit voilà, exceptionnel. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez vous passer des vacances sur un golf, si c'est vraiment vous aimeriez louer une maison sur un golf et y passer votre semaine. Ou alors pas du tout, justement, il faut que ce soit loin de là où on vit et que ça fait plaisir de s'échapper justement de chez soi ou de là où on part en vacances. Dites-moi ça en commentaire. Ah, je suis très content. Alors là, on a usé de logique, on a usé d'intelligence. Maintenant, on va pas mourir bête. Ici, par contre, je vais mettre la ligne dans le sens de ce que je pense être bon. Allez, hein, il nous le faut, ce par. Yes, les amis! C'est tout bon, ça! Un par, c'est tout bon, ça! Alors, les amis, trou numéro 4, par 5, 430 mètres. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, voilà, allons-y. Donc ce que je remarque, c'est que quand on force au driver, en fait, il se passe que des choses mal. Quand on est posé au driver, il ne se passe que des choses bien. Et donc si tout simplement le secret était bien sûr de faire sa routine, de bien se positionner, mais après ensuite, de ne pas y aller trop fort, tout simplement. Alors, on est là-bas, c'est bien. Allez, on va voir combien on a fait. Alors, on a fait un coup de driver de à peu près 170 mètres. Écoutez, c'est la fourchette basse, hein, on va dire que c'est la fourchette basse. Hein, la fourchette basse. Voilà, tu laisses bien sur tes appuis. La fourchette basse, mais droit sur le fairway, juste avant un point d'eau.
Donc on est plutôt satisfait. Et maintenant il nous reste 250 mètres. Et on va essayer d'avancer. C'est toujours cette petite tendance à aller à droite. Plus le dévers de ce club qui est assez fort à droite toujours. Ok, on est là-bas, c'est propre, c'est du golf, ça fait plaisir. Alors il nous reste 115 mètres, un petit vent contre. Allez, sous l'arbre, sous l'arbre. Oh, 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 oh. Juste avant le green. Ah, bon ben, regardez ce que je me suis évité. Un bon gros bunker de l'enfer. Parce que ma balle, elle est juste là, à côté du râteau. Faut vraiment aller se placer pour un putt. Stop! Ah, il y a une chance qu'on fasse quelque chose. Allez, il y a une chance de faire quelque chose là. J'ai lu mal ce truc. Bon allez, un bogey et on peut pas râler à mon niveau. C'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Très très bien un bogey sur un par 5. On prend. Trou 5 par 3, 175 mètres. Il y a un espace à gauche. Mais j'ai une tendance un peu à aller vers la droite. Donc il va falloir ici être vraiment concentré et accepter le bogey d'entrée de jeu. Hein. Je pense que ça sert à rien de frapper pour frapper. On va essayer de se positionner bien et on verra une fois arrivé sur place pour essayer de se placer, d'avoir éventuellement qu'un seul putt. Ok, elle est parfaite là où je voulais. Maintenant, est-ce qu'elle va rouler ou pas? Est-ce qu'on la revoit? On la revoit? On la revoit. Il va y avoir un putt. Il va y avoir un putt, les amis. Tee cassé égale balle touchée. Yes, les amis. Donc là, vous voyez pas encore la balle, mais clairement, je pense que ça va être l'option. Ça va être le putt. Un putt de à peu près 25-30 mètres. Mais si bien réalisé, il peut rester un putt pour aller chercher le par. Là où finalement, avec une approche, je pourrais décrocher, toper, faire une erreur. J'ai aucun obstacle devant moi. Il n'y a que la bosse à monter. Donc on va essayer de bien lire la pente et de toucher cette balle bijou pour que vraiment elle aille au plus près du drapeau, quoi. Ah, elle prend de la pente à gauche. Hein. Elle prend de la pente à gauche, mais on peut tenter sa chance pour le par. Ah, elle n'a pas du tout fait d'effet, mais là, qu'est-ce qui roule? Oh là là, qu'est-ce qui roule? Ça va être dur, là. Ah, c'est pas gagné, ça. Allez, 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 allez! Regardez ça, chouïa. C'est horrible de pouvoir avoir un putt pour le par et de faire un double. C'est dur, mais ça fait partie du golf, les amis. Bon, ici, les amis, le trou 6, c'est un par 4 de 400 mètres. 400 mètres, quoi. 410 mètres. Par 4 de 410 mètres. Une belle option droit devant, hein, évidemment. Je vais nous déporter tous par là. Je vais nous déporter tous par là. Qui va m'ouvrir un peu le chemin. Ah mais j'ai bien fait parce qu'elle va à droite. Alors il reste 217 mètres, ce qui voudrait dire donc qu'on a fait un bon 180 mètres, hein, c'est cool. Mais il en reste quand même 200, ma balle est pas top layée, elle est entre le rough et le fairway, c'est une zone que je vais appeler le fruff. Il nous reste 220 mètres, c'est un par 4, donc là déjà on sait qu'on enlève des options sur le par, évidemment, hein, on aurait dû être 60 mètres plus loin, mais on a pris le fer 4 et on va essayer de toucher ça tranquillement pour se mettre bien dans l'axe du drapeau et pour prendre un club avec lequel on a plus de facilité. Voilà, exactement ça, c'est vraiment des coups parfaits que j'affectionne. Ah, mauvais petit kick sur la gauche. Mauvais petit kick sur la gauche, mais je pense que la distance est au rendez-vous, donc c'est le plus important pour moi. C'est ce qui me donne envie vraiment de progresser et d'avancer, c'est quand je vois que c'est cool à rentre, quoi. Allez, les amis, on est là en deux.
par 4 quand même de 406-410 mètres. Bah, je suis pas peu fier quand même d'être là en deux. Hein. Rappelez-vous, il y a quelques temps. Ah non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Allez, faut que t'avances. Hein. Ah, pin. Pourtant, est-ce que j'aurais pu être un peu plus comme ça? Ouais, j'aurais pu être un peu plus comme ça, c'est réel. C'est réel. L'alignement, bordel! Allez! C'est pas possible, quoi! Je suis à ça, les gars. Je suis à ça d'y arriver. 310 mètres. Donc, en fait, concrètement, on a 100 mètres de moins qu'au trou précédent. Il y a quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose. C'est... Allez, quoi. Allez, on y croit. Allez, parfaite. Allez, roule comme les pros. Ping, 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 ping. Oh non! Elle est dans l'eau. Bon, ben les amis, je vais la dropper ici. Hein. On va la dropper ici. Hein. On est... Voilà, elle est rentrée là. J'ai donc un point de pénalité. J'ai donc sur mon troisième coup. Du coup, on a peur, hein. On a les chocottes, du coup. Ah là là, ce plan d'eau. Tu vois, je me dis parfois, avec un peu de chance, elle fait un ricochet à la John Ram, et puis elle arrive juste là derrière. Ce serait beau. Mais non, malheureusement, ici, il n'y a pas de ricochet, parce que moi, c'est Jonas, c'est pas John Ram. Bon, écoutez... Allez, est-ce qu'on peut aller chercher ce boguet? C'est la question que je me pose. Et un boguet qu'on vient sauver malgré cette pénalité. Donc en fait, on aurait pu aller prendre un par. Et c'est ce dont je me souviendrai, quoi. J'ai un putt pour le par en début de green, au lieu d'être sur le green. Ça reste quand même un trou sympa. Un trou sympa. Et pas facile, mais sympa. Ah, les amis, je viens de me casser la figure dans un escalier au trou numéro 8. J'ai mal. Du coup, je voulais pas retarder la partie derrière moi. Donc je suis passé direct au 9. Trou à l'aveugle, par 4, 300 mètres. Il va falloir taper une praline tout droit. On sait pas où ça mène. Oh oui. Elle va un peu à droite, mais... Allez, reste en jeu. Bon, les amis, j'ai envoyé une bonne patate. Seulement, j'aurais pu jouer plus à gauche. Parce que du coup, je suis... C'est magnifique. C'est très beau. Les villas sont sympas. J'entends l'eau des piscines qui sort. Mais moi, je suis là, derrière cet arbre, les amis. Et en plus, même pas sur de l'herbe. Ça veut dire que j'ai un méga lay-up à faire. Et je vais devoir faire ce lay-up. Sans réchigner, sans râler, sans bouder. En restant au top avec le sourire. Ça veut dire qu'on prend un petit club du style fer 6. Voilà, on va se mettre ici en face. Alors, j'ai aucunement l'intention de vous apprendre quelque chose. Hein. Et puis, on va putter. Voilà, comme ça, on se remet au milieu du fairway. Avec le smile, les amis. Ah, ça fait plaisir parce que il y a 120 mètres, mais c'est bien plat et bien droit. Il y a 120 mètres au drapeau. Du coup, j'avais envie de sortir mon pitch. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ça me ferait vraiment plaisir de mettre un bon coup de pitch. On sait que nous, ce qu'on veut, c'est arriver sur le green pour avoir un putt pour le par, parce que l'objectif, c'est d'avoir des putts pour le par. On va voir si ça paye ou pas, si ça roule ou pas, si ça bloque ou pas. Je suis un peu à droite parce que la face s'est ouverte au moment de l'impact. Peut-être bien sur le green. Peut-être bien sur le green, il y a une petite bosse qui m'empêche de le savoir.
Ah ben on n'est pas sur le green, on est à hauteur de green. Donc ça c'est bien, on retient que donc je pouvais bien espérer avec un pitch faire quelque chose de bien. Mais on n'est pas sur le green, il restera quand même un peu de distance. On a malgré tout ce fameux putt pour le par, même s'il n'est pas là où on voulait, hein, ça, on va pas commencer à se mentir non plus. Donc on est là, voilà, le putt pour le par, on l'a, mais on sait très bien que ça va pas être gâteau. Donc on va essayer de se focus, concentrer là-dessus. On voit qu'il y a quand même de la bosse, de la pente. Bon, l'idée c'est d'aller chercher le bogey maintenant. Zen. Hey, il est vraiment pas mal ce pote. Il est vraiment pas mal. Bon bah écoutez, peu importe ce qui va se passer, je pense que quand même, malgré tout, le niveau commence à être vraiment en place. On commence à jouer du jeu bien plus régulier, bien plus sympathique, bien plus proche de 20 que de 28. Donc je suis impatient de faire de la compète. Impatient de remettre une carte. On va essayer de viser le bord droit ici. On va pas essayer, on va viser le bord droit ici. Pas de pente! Pourtant, tout montre qu'il y a une pente. Tout le montre qu'il y a une pente. Tout. Ah, c'est fou ça. Mais quand même, un gros kiff. Malgré tout, malgré cette petite erreur de fin. Je prends beaucoup de plaisir, les amis. Donc ici, la terrasse super sympa pour prendre un verre à la fin. Et puis ici, vous rentrez dans le clubhouse, vraiment à l'ancienne. Voilà, señor. Estoy grabando la video para mi cadena YouTube. Ah, vale. Y estoy mostrando que es muy guapo el sitio y todo. Y quería saber, ¿le puedo preguntar algo de beber? Sí. ¿Sí? ¿Hacen aquí el chose? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Un chose, por favor. ¿Uno? Sí. Me doy la vuelta y estaré en una mesa aquí. Ahora te lo saco. Muchas gracias. Donc voilà les amis, c'est incroyable, le chose, on dit le chose en espagnol, c'est vraiment génial ça, n'est-ce pas? Donc voilà, regardez-moi ça. Hey, ça a gagné des coupes ici. Ça a gagné des coupes. Regardez-moi ça. Tout à l'ancienne, des belles, belles, belles petites salles comme ceci, avec un salon. Regardez le petit bar. Ah, c'est assez intimiste, assez sympa. On va dire que c'est encore dans son jus. Hein. Regardez ça, on peut se poser dans ce salon-là privé. C'est aussi l'occasion, je pense, d'organiser un petit truc entre amis. Et puis voilà, les coupes, les choses un peu à l'ancienne. C'est sympa comme tout, de voir vraiment le côté historique. Hein. Et puis je pense qu'ici, ben, en fait, on doit... Oh, Golf à Catalunya, Golf Club. Hey, c'est là, c'est des assiettes de plein d'autres golfs, j'ai l'impression. Et puis ici, regardez, on débouche. Alors moi, je vais à l'aveugle, hein, les amis, je vous emmène comme d'habitude. Là, je pense qu'il y a quelque chose pour laisser ses affaires. Et puis ici, on arrive dans les bureaux. Ah, et voilà l'entrée. Donc c'est ici qu'il y a le Pro Shop. Hop là. Et l'accueil. Voilà. Et puis ici, les amis, regardez. Hop, les caddies, les chariots. Et regardez ce beau bâtiment en pierre. Ah là là, Costa Brava, tu me laisseras une trace, c'est sûr. Magnifique club. Bravo. Les amis, franchement, l'objectif d'avoir des putts pour le par est quand même plus ou moins tenu, j'ai l'impression, dans cette vidéo. Bon, il va falloir que je la regarde un peu comme vous, hein, du coup, pendant le montage, pour savoir si je suis bien dans le juste, mais j'ai l'impression d'avoir eu pas mal d'options pour le par. Écoutez, je suis ici au 19e trou pour la 100e vidéo d'Oh My Golf. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez mis un pouce bleu, et surtout pour la 100e, je vous l'ai dit en intro, vous pouvez recevoir un pitch-up et une casquette Oh My Golf rouge, celle que je porte d'habitude dans les vidéos précédentes, mais là, j'en ai pas parce que je suis en voyage, mais je vais bientôt récupérer une, ne vous inquiétez pas. Les amis, pour ça, en commentaire, il suffit d'écrire « Je veux un pitch-up et une casquette Oh My Golf !» Mettre plein de smiles de cœur, je veux de la joie et du bonheur. Évidemment, ce petit pitch-up, vous le fixerez au bout de votre club et vous allez solutionner, révolutionner le nettoyage de green et de relève pitch. Les amis, ça va être incroyable. Votre club va être fan de vous, il va plus vous faire payer. Non, je sais pas, ça, je peux pas le savoir, mais on verra bien. En tout cas, je suis ici, les amis, regardez-moi ça, le 19e trou, il y a la petite piscine là en bas. Et ensuite, regardez-moi cette terrasse, cette belle vue. Oh, franchement, moi je dis quand même, Costa Brava, chapeau pour le boulot. Encore un club bijou. Alors, il y en a qui sont moins adeptes des boulevards. Moi, j'aime bien, ça permet de driver, de gagner des mètres et de faire des scores. Donc voilà, en tout cas,
que vous aimiez plus ou moins ce genre de vidéo. J'espère en tout cas vous dire maintenant que c'était la dernière où j'étais tout seul. Parce que voilà, être seul au golf avec sa caméra, ben oui, il y a quand même le plaisir et la passion qui sont là, le fait de s'améliorer et tout. Mais c'est quand même chouette d'avoir quelqu'un qui connaît le club, qui connaît les directions, qui a l'amour de la période dans laquelle on joue, de l'endroit dans lequel on joue, de son club, de son historique. Et donc dans la prochaine vidéo, je peux vous dire que je serai accompagné par un pro du club pour faire le parcours. Et ça, ça m'enchante au plus haut point. Malgré tout, je dis bravo au golf du Costa Brava pour l'entretien, pour l'accueil, pour la gentillesse. Vraiment bravo, vous êtes super au top. Voilà, j'ai juste envie de vous dire que ça fait encore partie du réseau Golfi, évidemment, les amis, c'est incroyable. Et alors, une dernière petite chose, eh ben, je vais recevoir des nouveaux clubs de la part de mon patrocinador, de mon sponsor, les amis, de mon partenaire, plutôt Golf Plus Waterloo. Donc voilà, ça va se faire à Montpellier dans quelques jours, les amis. Je vais recevoir une nouvelle série de clubs, ça va être incroyable. Maintenant que j'ai progressé, je vais pouvoir avoir des clubs dignes de ce nom et on va voir si enfin ça rentre ces fameux parts. Bon, je pense que j'en ai assez dit, je pense que je parle beaucoup, on voit que je suis de bonne humeur, que je suis heureux. Moi, je vais retourner retrouver la famille parce que je vais faire un petit plouf à Tossa de Mar dans la Méditerranée. Ou la piscine, si elle est encore ouverte. Non, allez, stop. Je suis pas comme ça. Je suis plutôt humble, je suis plutôt sympa. Les amis, ça fait comme d'habitude. 1, 2, 3. Oh my golf.